Robinson, lui, est étranger à toutes ces spéculations. Il a conservé la plus grande partie de son avance. Et c'est avec 20 minutes d'avance qu'il franchit le pont sur la Saône à Châlons et qu'il va franchir maintenant la ligne d'arrivée. Et voici maintenant en vue de Châlons-sur-Saône, sous la flamme rouge, Jean Stablinski, l'ancien champion de France, a démarré. Dans sa grande forme du dernier championnat, Stablinski sprint à toute allure vers l'arrivée. Et sur la ligne, Stablinski va conserver une seconde d'avance sur Broussard qui remporte le sprint pour la deuxième place devant Van Aert, Thomas Coarec.